projet du Front National pour la région? On ne savait pas. Non. Eh ben voilà, parce qu'il n'y en a pas. C'est pas une priorité pour la région, pour le Front National. Les questions de formation, la culture, le CAPASSO, vous savez, le soutien à l'emploi associatif. Mohamed Moulay fait tout son possible pour convaincre les électeurs. L'adversaire n'est plus seulement la droite, mais le Front National. Et pour y parvenir, il recentre le débat sur des enjeux essentiellement régionaux. C'est eux, un coup c'est la droite, un coup c'est la gauche. Ça revient à la même en fait. Oui, mais là, faut faire attention. Toutes les années, là, pour voter, ouais, pour voter, mais ouais, ça ne change pas. Mais là, il faut faire très attention, parce que là, il y a un risque de basculement vers l'extrême droite. On comprend la colère, on la comprend la colère, mais il faut ramener le débat vers le local, ce que fait la région quotidiennement dans ta ville. Vous avez le programme de François Bonneau? Vous l'avez reçu à la boîte aux lettres? Oui, oui, j'ai tout. D'accord, vous avez tout? De potentiels électeurs qui comprennent la progression du vote FN. Malheureusement, avec tout ce qui se passe, les gens, ils se réfugient là-dedans. C'est vrai que ça fait peur, mais avec tous les événements qui sont passés, ça peut se comprendre aussi, malheureusement. Aujourd'hui, on élit une personne pour un mandat de 6 ans. Il va dire qu'il va faire blanc, il fait noir, on n'a plus aucun pouvoir. J'ai pas été voté au premier tour, mais je vais aller voter au second, vu la situation. Pourquoi justement? Parce qu'il y a urgence selon vous? Parce que je ne veux pas avoir le Front National à la tête de la région. Bonjour. Moi, je l'ai eu. Vous l'avez eu? Oui, merci. D'accord. Bonne journée. Bonne journée. C'est difficile de mobiliser dans l'entre-deux-tours? Non, je pense qu'il y a un sursaut quand même. Il y a un sursaut à la fois citoyen, civique, puis il y a un sursaut politique. Je pense qu'il y a une mobilisation. J'ai beaucoup d'espoir dans la mobilisation de notre électorat. Une gauche rassemblée face à l'extrême droite. C'est pour le deuxième tour aux élections régionales avec, okay, François Bonneau pour faire barrage à l'extrême droite. Ouais. Il y a un risque. Vous êtes allé voter au premier tour? Non. Non, j'ai oublié. Ah, vous avez oublié? D'accord, là. Deuxième tour, je compte sur vous. Ouais, vous êtes sur quel bureau? Je ne serai pas là, mais... Ah, vous n'êtes pas là? Non. Non, vous ne pouvez pas faire une procuration? C'est quand? C'est dimanche? C'est dimanche prochain. Faut aller, c'est très important, ouais, là. Ouais, très important. Ouais. Hein. Ouais, je compte sur vous. Ouais, ça marche. Allez, bon courage. Merci. À bientôt, merci. La procuration, beaucoup en parlait ce matin dans le quartier des Deux Lions. Mohamed Moulay, numéro 5 sur la liste de François Bonneau, compte notamment sur cet outil pour faire, dit-il, la différence dimanche prochain.